Présenter ce texte-là, mon roman premier, comme j'aime à l'appeler, Dien Bien Phu à un ami, comme ça, au coin d'un feu. Je dirais que c'est une histoire d'amour et d'amitié sur fond de guerre. Je lui dirais que c'est un chemin d'âme et d'errance, de femmes et d'hommes en quête de leur vérité intérieure. Et c'est un texte que je porte en moi depuis très longtemps. 4 ans d'écriture, mais 20 ans de réflexion sur la vie, sur le couple, sur l'amour, sur la colonisation, sur les luttes de décolonisation. Et je suis très heureux d'être arrivé au bout de ce texte et je suis très heureux en fait de pouvoir le partager aussi de vive voix et en musique dans quelques semaines. Je commence une tournée avec ce texte-là qui prouvera que la littérature peut aussi être un moment de spectacle vibrant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase-là, parce que ce texte ne prouve absolument rien, mais ce sera dans tous les cas un moment de spectacle vibrant autour de cette histoire qui se déroule à Dien Bien Phu pendant la guerre d'Indochine et après aussi. Quand on me demande s'il y a une différence entre écrire un recueil de poèmes comme j'avais déjà pu le faire par le passé et un roman comme c'est le cas aujourd'hui, dans le geste d'écriture, il n'y a pas de différence, pour moi en tout cas. Le geste elle-même, c'est toujours une manière de respirer. Moi, quand j'écris, c'est vraiment ça, c'est pour respirer. Et c'est vital, et ce roman a été vital. Alors, ce qui change, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai eu des contraintes d'écriture, ce que j'ai absolument pas en poésie et dans le slam, où c'est vraiment des fulgurances que je laisse venir. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû apprendre à me poser, à m'extraire de tout, pour écrire, à me contraindre à écrire. Et ça m'a permis de questionner aussi des thèmes que j'avais déjà abordés dans ma poésie, mais dans un roman, de les aborder au long cours. Et le roman permet ça, l'exploration au long cours de thématiques récurrentes dans mon travail, l'amour, la résistance, la révolte aussi, mais surtout la fraternité. Et donc dans le roman, j'ai pu aller beaucoup plus loin que dans des textes courts que j'écris et que je slame souvent. J'ai pu questionner ces notions qui me sont chères. Et je pense que l'exercice du roman a vraiment m'a apporté ça, en tout cas, pouvoir me retourner sur moi-même et sur des questions qui me traversent depuis très longtemps et aller au bout de certains de ces questionnements-là parce que j'avais le temps. Justement, le temps dont je ne dispose pas quand j'écris de la poésie, parce que tout est plus court, plus concis, surtout quand je dois la dire après sur scène. Alors que dans le roman, je laissais aller ma plume et je pouvais aller beaucoup plus loin dans l'exploration des sentiments et peut-être des nuances aussi, de la réflexion. Il y a quelque chose vraiment qui était nouveau pour moi dans cet exercice-là. Mais le geste d'écriture, au départ, il est le même, il vient du cœur et d'un besoin de respirer, juste respirer. Dien Bien Phu, c'est d'abord une musique pour moi. Le nom de cette ville me fascine depuis que j'ai l'âge de 16 ans. À Douala, au Cameroun, Dien Bien Phu, juste ça, ça me fascinait. Avant même que je sache où c'était, avant même que je sache ce qui s'y était passé, j'adorais. J'étais en phase et en phrase avec le nom de cette ville. Et donc après, oui, bien sûr, par les cours d'histoire, j'ai découvert tout ce qui s'y était passé. C'est aussi une guerre qui a marqué le début du déclin de l'Empire colonial français. Et après, je suis allé au Vietnam et il y a eu un coup de foudre. Je tombais en amour avec ce pays. Et je savais, quoi qu'il arrive, que je raconterais un jour quelque chose qui se passe là-bas. Donc voilà, il y a plein de portes d'entrée pour moi dans l'urgence à écrire ce texte. Et surtout, il m'a permis d'écrire un texte qui parle de la colonisation, qui parle des luttes contre la colonisation, mais avec de la distance. Moi qui suis Camerounais, africain, je voulais aborder ces thématiques-là depuis longtemps. Je les avais abordées en poésie, dans un roman, la distance du Vietnam m'a permis d'en parler de manière peut-être aussi plus libre,
parce que je pense que si j'avais ancré mon histoire dans un pays d'Afrique comme le Cameroun, qui a connu une guerre de colonisation d'une violence inouïe, j'aurais pas forcément eu la distance. Peut-être que j'aurais eu envie d'écrire, ou peut-être que j'aurais été trop proche du roman historique. Et moi, ce que je voulais écrire, c'était un roman qui parle de choses qui sont plus grandes que la guerre, de choses qui nous relient à ce que nous avons de plus précieux en nous, c'est-à-dire notre humanité, mais notre humanité belle. Et je voulais parler d'amour. Et peut-être que je me serais empêché ça si j'avais écrit un roman trop le nez collé comme ça à la vitre de la réalité historique. Et le fait d'avoir un peu de distance, ne serait-ce que géographique, même si les mécanismes sont les mêmes, la colonisation déshumanise l'autre. Les luttes de colonisation visent à redonner humanité pleine à celui qui a été déshumanisé. C'est partout pareil, mais la distance géographique m'a permis d'être aussi dans l'invention tout le temps. D'ailleurs, je le dis au début du livre, dans ce texte, tout est vrai, j'ai tout inventé, et c'est vraiment ça. Mais je crois que ça m'a vraiment permis ça, cette distance géographique-là m'a apporté une liberté d'auteur, de créateur, et éviter de tomber dans ce qui aurait été un écueil pour moi, d'écrire un roman historique, parce que c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Alexandre, c'est un prénom qui m'est cher. C'est Alexandre pour Capitaine Alexandre, qui est mon nom de scène, mais qui est aussi le pseudonyme de René Char, qui est un de mes poètes, un de mes professeurs d'espérance, un de ceux grâce à qui j'ai basculé en poésie à l'âge de 16 ans, grâce à cette phrase « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. » À 16 ans, je lis ces vers. Je rêve de devenir écrivain et je pleure, en fait. Voilà, René Char, c'est ça pour moi. Donc, Capitaine Alexandre, ce prénom Alexandre, il a une résonance très particulière pour moi. C'est aussi le prénom de mon père. C'est mon deuxième prénom. Mais c'est le prénom de mon père que j'ai perdu il y a quelques années et que j'emmène partout avec moi grâce à ce pseudonyme qui fait que quand j'arrive sur des scènes, aujourd'hui on me présente comme Capitaine Alexandre, et chaque fois que j'entends ce prénom, je vois le visage de mon père qui se dessine quelque part. Donc c'est un prénom qui a cette double importance-là. Mon père, René Char, et maintenant le personnage principal de Dien Bien Phu, qui porte les valeurs de René Char, puisqu'il lit René Char dans le texte. Il dit que résistance n'est qu'espérance, et il résiste grâce à ça aussi, à tout, à la guerre, à la violence du monde. Il résiste grâce à l'espérance et grâce à l'amour et à l'amitié qui fonde quelque chose qui est plus grand que tout.